que des messages de nanas qui me disent « Dis-moi comment faire pour grossir. » Grossir. Grossir pour aller où? Donc il ne faut pas grossir. Skinny, c'est femme de milliardaire. Alors restez skinny. Elle donne des conseils pour trouver un milliardaire. La TikTokeuse Swanine a choqué de nombreuses personnes en donnant des conseils un peu particuliers aux femmes qui voudraient attirer un homme riche et non pas un trafiquant de drogue. Je vois des messages de nanas qui me disent « Dis-moi comment faire pour grossir. » Grossir. Grossir pour aller où? Ça va pas ou quoi? Tu veux plaire à qui toi? Si vous voulez plaire aux trafiquants de si vous voulez plaire à ce genre de garçon, je veux bien comprendre que vous voulez voilà, grossir parce que ce genre de garçon aime les filles, voilà, comme ça. Mais skinny, c'est femme de milliardaire. Tu comprends? Donc il ne faut pas grossir. Si tu veux avoir un milliardaire, il faut être skinny. Vous comprenez ou pas? En plus, la vérité, les filles, grossir, c'est pas bon. Ça ramène plein de maladies. Et en plus, vous pensez que vous mangez pour grossir, vous allez prendre de là et de là? Pas du tout. Vous prenez que de là et des cuisses. Et après, pour perdre, c'est très, 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 très compliqué. Alors arrêtez de prendre des trucs là pour grossir. Skinny, c'est femme de milliardaire. Alors restez skinny, à part si vous voulez plaire aux trafiquants de drogue. Ok? Elle explique aussi sa vision bien à elle de l'homme parfait. Et ça fait évidemment beaucoup réagir. Imagine, tu sors avec ton mec pour aller faire du shopping et arrive à la caisse, il se recule. Tu sais quoi, je dis rien. Tu payes? Ouais, je moi, vais. Je pars. Tu laisses tout, tu laisses? Je pars. Non. Oui, mais après, il va dire, ouais, qu'est-ce que je fais et tout, maman. Ça va être grave loin, c'est trop la honte. Imagine ton mec qui sait pas se battre. C'est trop dingue. Bah oui. Imagine, t'es avec ton mec comme ça et tu croises ton ex et c'est ton ex qui défonce ton mec. Mais comment ça peut se passer? Genre, pourquoi il se battrait, tu penses? T'es avec un mec et dans une autre ville, genre, ça l'appelle la tapette et tout. Genre, c'est une... ville. Oh la honte. Non, dans sa ville, parce qu'il est pas de ta ville et c'est une grosse... Dans sa ville, toi, t'es même pas au courant. Non, je meurs. C'est encore pire. Imagine ton mec, il demande à ses collègues de lui prêter ses habits. J'aurais dit, je ne mettrais pas le jean ou les chaussures. Comment tu peux me prêter aujourd'hui les baskets? Imagine. Déjà, la voiture, ça arrive trop, je crois. C'est déjà trop gênant. Oh, là, mais non, les habits. Oh non, imagine. Non. Tu peux prêter ta casquette et tout. Oh. Imagine ton mec, il sait pas s'habiller. Est-ce que tu vas faire un effort? Tu vas, non, non, tu restes moche. Tu restes moche. Ouais, ouais, voilà. Tu restes moche. Enfin, moi, je connais ton potentiel, mais ouais, tu vas rester comme ça. Pour les ouais. Aux yeux des gens. Oui, tu vas rester bien moche. Imagine ton mec, il a un Samsung. Mais mon mec, il a eu un Samsung. Il a, mais non. Mais non, ça c'est pour les gens de l'antiquité. Mais moi, j'aime bien. Vous parlez pas en e-message et tout, genre? Mais non, sur WhatsApp. Ah, oh, mais toi, t'as. C'est... Non, non, le mec il sait qu'il a un iPhone, iPhone, il sait que... Pas l'iPhone 15 et tout. Mais non, mais si il a un iPhone, il doit avoir l'iPhone 8. Un iPhone 8. C'est trop.